Loko a bel et bien présent, accompagné de ses avocats et des membres de la presse, des membres des différentes associations de journalistes. Nous n'avons pas d'inquiétude, c'est face avec la situation ça a pu retourner de temps en temps et nous gagnons des invitations à la presse, ça qui a affaibli l'émission. Aucune inquiétude, sinon que nous souhaitons que nous n'avons pas de dossier, une connotation politique pour le traiter sur le plan technique du droit essentiel. C'est faux, archi faux. Vous ne connaissez pas aucun lien d'ailleurs, vous connaissez son victime. Je me rappelle en 2018, le côté victime du côté de l'Artibonite avec le gang et Rodma. Ok, il était victime. Et pas longtemps de ça, vous connaissez des victimes encore et d'autres actes hein, de banditisme. Vous connaissez être obligé et prendre le marquis. Donc, vous connaissez pas aucune affiliation, pas aucune acquaintance avec des gangs dans le pays. Donc, vous pouvez accepter que, il était reconnaître que l'idéalité pesait trop fort sur l'accélérateur. Donc, je veux dire là, et qui s'est fait, c'est que mon invitation de la part du parquet, nous connaissons que le chef du parquet, c'est l'avocat de la société et c'est le chef de poursuite pénale. Parce qu'il y a lieu de poursuite pénale en ce qui a trait à dossier Loko Désir. C'est que je pensais que je veux dire là, je n'ai pas souhaité. Et t'as pour dire qu'on fait t'as fait qu'on t'a parlé de ça et matin et au niveau de Radio Caraïbes, nous pas souhaité à ce que yo prenne dossier sous une autre phase pour mettre le traversier sur l'autre phase et à savoir pour avoir une connotation politique. Donc c'est ça nous-mêmes, nous autres on est au matin débat, inquiétude nous c'est l'allié et pas qu'on est bien entendu et qui intention à qui intention commissaire du gouvernement inviter Loko Désir au niveau de la presse. Au niveau de ces médias qui, je dis à là, nous connaissons et nous autres au niveau du matin débat, donc nous sommes émission d'analyse, de débat contradictoire. Donc, Loko Désir et ils font des classes, car ils ont émettre leur opinion. Et à partir de leur opinion, hein, et en pile le monde, et en dit, en pile dans nous, qui est sous panel là, pas d'accepter avec nous, et contrecarrer l'opinion qu'ils émettent là. Et à la dernière minute, ils deviennent. Et fait bac, ok? Et jusqu'à ce que, à un certain niveau, dans dimanche, je ne parle pas avec vous, que, il fallait que le présente excuse publique par l'auditoire, parce que l'émission n'est pas pour nous, c'est pour l'auditoire et pour l'auditoire lié. Donc, vous pouvez accepter que, il était reconnaître que l'idéalité pesait trop fort sur l'accélérateur. Donc, je veux dire là, et qui s'est fait, c'est que mon invitation de la part du parquet, nous connaissons que le chef du parquet, c'est. Et l'avocat de la société, et c'est le chef de poursuite pénale, parce qu'il y a lieu de poursuite pénale en ce qui a trait à dossier Loko Désir. C'est que je pensais que je dis à la, je n'ai pas souhaité, et t'as pour dire qu'on fait t'as fait qu'on t'a parlé de ça, et matin, et au niveau de Radio Caraïbes, je n'ai pas souhaité à ce que yo prenne dossier sous une autre phase, pour mettre le traversier sur l'autre phase, et à savoir, pour avoir une connotation politique. Donc c'est ça nous-mêmes, nous autres on est au matin débat, inquiétude nous c'est l'allié, et pas qu'on ait bien entendu, et qui intention, à qui intention commissaire du gouvernement, inviter Loko Désir. Mais d'une certaine façon, comme moi dans l'invitation, il y a écrit que et, incitation à la violence, Loko pas fait incitation à la violence. Donc on pense que c'est aller tout fort, donc Loko, on croit que Loko a pris pour le présent, vendredi, et Loko en tant que secrétaire général de la section de l'Union internationale de la presse francophone, dont je suis le président de cette section, et journaliste de son État, et secrétaire général de l'Association des journalistes conseil professionnel. Nous-mêmes, nous avons dénoncé toute tractation qu'a fait, tout ça qui est à la question de diversion dans le dossier ça. Et nous souhaitons à ce que le commissaire du gouvernement, comme son monde, nous pensons son monde et qu'a fait travailler comme ça doit. Donc, il n'y a pas quitté droit de côté pour le prendre le chemin politique là, même penser que l'État est important à ce que le dossier a géré sur le plan technique et judiciaire. Mais je dirais que ça t'explique, c'est toujours donc, les éléments qui font partie de la débat, mais pas en l'autre que nous sommes. Eh bien, qui ça livré dit ça, le dit, émission de débat sont émissions de critique, d'analyse et qui a dénoncé, qui a dénoncé les dossiers enragés. Cap dénoncer corruption, cap dénoncer ça qui n'est pas bon dans le pays, cap dénoncer gouvernement ça qui est en place là, qui n'est pas vraiment sérieux. Donc cap dénoncer gang, cap dénoncer tout ensemble de bagages qui n'est pas bon dans le pays. Donc c'est normal. Et une émission qui
gagné en pile écoute, si je ne dis pas masse écoute la même. Donc c'est normal, pour tout rejoindre ça, pour rejoindre que il y a tâteau de nous, il y a taclé nous, mais un fait est clair, c'est que tête nous est droite sous épaule nous. N'a pas continué à travailler nous, n'a pas continué à travailler en profondeur, d'analyse en profondeur et de débat contradictoire là. N'a pas toujours fait travailler nous comme ça doit, comme des professionnels. Donc, pas de aucun écart professionnel au niveau de ça, nous avons parlé. Seulement, nous avons dit que nous avons pesé trois fois sur l'accélérateur. Nous avons estimé que nous avons désir et par rapport avec mon opinion. Parce que mon opinion est trop opinion. Mon opinion n'est pas qu'à incitation à la violence. Okay? Donc, mon opinion était dans le stade opinion. Nous avons émis notre opinion, ou qu'à pas d'accord avec elle, ou qu'à d'accord avec elle. Donc, ça. Donc, nous-mêmes, ça que nous avons dit, c'est que nous avons continué à travailler nous comme ça. Est-ce que je viens de parler pour la justice de la compétition? Jamais de la vie, jamais de la vie. Ça fait que nous sommes des respectueux de la loi. Et ça fait nous demander à ce que le cabinet avocat nous ait engagé le cabinet avocat nous pour accompagner le coup désir vendredi. Et bah, ce n'est pas seul le cabinet avocat qui accompagne le coup désir. Pas bien, le coup désir pas seulement contre lui. Le coup désir pas mettre tête. Un, deuxièmement, tout, le coup désir pas bien. Il est secrétaire général de la section de l'Union internationale de la presse francophone basée à Paris. Le coup désir, c'est présentateur maté débat. Le coup désir, c'est homme politique tout. Donc, le coup pas côté. Maintenant, association journaliste n'a pas accompagné, association des journalistes haïtiens, et SOS journaliste n'a pas accompagné. Et puis, AJCP, association des journalistes conseillers professionnels, n'a pas accompagné. La section de l'Union internationale de la presse francophone n'a pas accompagné. D'ailleurs, moi j'ai déjà saisi la section, moi j'ai saisi l'Union internationale de la presse francophone, dont Loubo lui-même fait partie de cette union, qui fait le secrétaire général. Donc ça veut dire que nous déjà saisi l'instance des instances internationales sous plan et alors sous dossier, ça qui vient avoir une question, invitation et Loubo désir dans le parquet de Port-au-Prince. Loubo présent. Loubo a bel et bien présent, accompagné de ses avocats et des membres de la presse, des membres de différentes associations de journalistes. Nous n'avons pas d'inquiétude, c'est face avec la situation, ça a pu détourner de temps en temps et nous gagnons des invitations à la presse, ça qui a affaibli l'émission. Aucune inquiétude, sinon que nous souhaitons que nous avons un dossier, une connotation politique pour nous traiter sur le plan technique du droit essentiel. Cependant, ça n'empêche pas qu'il y ait plus de monde à travers les commentaires sur Internet-là qui fait croire que c'est parce qu'il y a une affiliation avec des groupes armés illégaux qui font toujours une opposition qui, quelque part, pour eux-mêmes, paraît très défendable et comment dire. Très faux, archi faux. Le connaissez pas qu'il n'y a aucun lien d'ailleurs, le connaissez son victime. Je me rappelle en 2018, je crois, 2018, le côté victime, du côté de l'Artibonite, avec le gang. Et le gang et Rotma, ok, il était victime. Et pas longtemps de ça, le coup désir était victime encore et d'autres actes hein, de banditisme. Le coup désir était obligé et prendre le marquis. Donc, le coup désir n'a pas gagné aucune affiliation, pas gagné aucune acquaintance avec des gangs dans le pays. Donc, le message pour tout fanatique qui peut être clair. Le message à l'éclair, c'est que nous avons peut-être nous, droite et nous avons continué à faire travailler nous. Nous mettons des clés que nous mettons des couets et matin débat pas camper et nous pas prendre intimidation. Nous avons continué à faire travailler nous comme des professionnels de la presse, comme des professionnels et nous souhaitons à ce que la liberté d'expression continue à respecter dans le pays.